vide, elle serait toute morose. Le magicien, tutti-frutti, très maladroit, a fait disparaître des fruits et des légumes. Quel malheur! Les légumivores sont dorénavant obligés de manger uniquement gras, salé et sucré. Beurk! Et oui, nous qui sommes en bord de plage, nous aimons l'été et sortir nos maillots de bain. Comment allons-nous faire danser, bouger pour pouvoir parler à ce manque de bonne alimentation?
Tout le monde sait bien que manger des chewing-gums à longueur de journée, ça nous fait ressembler à une vache qui mastique. Pourtant, il y a d'autres façons d'entraîner ses maxillaires à travailler. T'as une idée, Lana? Pour les virelangues, pour celle-là, les virelangues, vous connaissez les phrases difficiles à prononcer, mais qui nous aident bien à articuler. Alors chacun de nos petits élèves est parti chercher un cobaye dans le public et vous allez faire le même travail qu'on fait pendant vos ateliers. Alors chacun des petits élèves a un virelangue sur une petite étiquette. Il est venu chercher un ou une cobaye dans la salle. Notre élève va vous montrer comment il dit cette jolie phrase. Et le cobaye va essayer de la répéter 3 fois sans se tromper. Pâte mouille, plate, nouille. Pâte mouille. Je prends mon petit sèche. Pâte mouille, plate, nouille. Pâte mouille, plate, nouille. Pâte mouille, plate, nouille. Le poivre fait fièvre au pauvre Pierre.
semoule molle se moule, la semoule molle se moule, la semoule molle. Bravo! Vous êtes pas bons, les enfants, vous avez pris des excellents cobayes. Bon, Lana, qu'est-ce que t'en penses? C'est bien, on s'est mariés. Oui. Mais, ça nous a pas rappelé les fruits et les légumes. Mais t'as une idée, qu'est-ce qu'on pourrait faire, du coup? Qu'est-ce qu'on pourrait aller voir? La famille de fruits? Oui. Bonne idée? Tu vas la chercher? Ok. Et oui, la fée multifruits, c'est une petite popole qui a des apprentis en ce moment, avec un peu de chance, elle va peut-être réussir à nous trouver une solution. Maintenant, les apprentis, on a une machine à fabriquer.
banane. Ça tombe bien, j'ai une petite histoire pour vous, les enfants. Vous êtes tous là, vous avez besoin de force. Au milieu de la salle, il y a un panier rempli de fruits. Vous allez, à trois, courir jusqu'à ce panier de fruits. Le premier qui arrive peut tout manger. Vous êtes prêts? 3, 2, 1, parfait! Pourquoi vous n'y allez pas? Ça veut dire « Je suis ce que je suis grâce à ce que nous sommes. » Rien de tel pour fêter ça en beauté de que chanter et danser en chœur. Que le regard veut
maintenant persévérer tous ensemble pour trouver les solutions. Rappelez-vous ce qu'avait dit le magicien lorsqu'il s'était aperçu que sa bourde, quand nous lui avions demandé comment ferons-nous pour continuer à manger sain. Si c'est important pour toi, tu trouveras une solution. Si ça ne l'est pas, tu trouveras une excuse. Donc les étoiles de Servetien, ce sont des ateliers qui sont proposés aux enfants sur le temps périscolaire chez les petits potes à Servetien le mardi et le vendredi, où on fait la danse, du théâtre, l'expression, un peu de gym, un peu de chant, un peu de tout pour s'amuser, pour vous faire découvrir le spectacle. Vous aviez parmi cette troupe Flora, Candice, Marjane, Julie, Magali, Amy, Lana, Inès, Rayana, Alexis, Maxime, Nova, Léo. Qui sont du CE1 au CE2. Et donc je suis très fière parce que ce spectacle, on l'a créé en 3 semaines à peu près, parce qu'on a pour la plupart, on se connaissait l'année dernière, mais découvert, apprendre à se connaître sur le mois de septembre jusqu'à mi-octobre. Et ensuite on vous a proposé voilà, un petit rendu de ce que l'on fait pendant ces ateliers. On se donne rendez-vous au mois de juin pour un second spectacle. Encore plus drôle, recherché, bien rougi, etc. Je suis très fière de vous. Je remercie Fabrice, l'appel, la mairie de Saint-Vivien et vous tous d'être venus. Un clin d'œil à mes amis des arts de l'association des arts de Gréant, qui en a parmi nous. Les enfants, bravo!